Je m'appelle Xavier Hinard, j'ai 41 ans. Très jeune, j'ai commencé à castrer le maïs. Par la suite, je suis devenu technicien agréé pour contrôler le maïs. Et naturellement, je suis rentré à 21 ans chez SEMAE. Chez SEMAE, nous assurons la certification des semences officielles. Mon métier consiste en fin de cursus à délivrer une étiquette de manière à tracer le lot en vue de sa commercialisation. Sur les certificats, nous retrouvons plusieurs éléments. La partie haute destinée à la réglementation au passeport phytosanitaire. La partie basse sera liée à l'espèce, la variété, le numéro usine, le numéro de lot, le pays de production, le poids du lot et la date de prélèvement. Tous les éléments que nous retrouvons sur nos étiquettes sont soumis à la réglementation européenne. Notre métier évolue en même temps que les normes européennes. De la même manière, notre certificat s'inscrit dans ce cahier des charges. Par exemple, il y a 2 ans, nous avons dû apposer sur chacune de nos étiquettes le drapeau européen ainsi qu'une bande blanche liée au passeport phytosanitaire. Cette année, chez SEMAE, nous avons 60 ans. Les enjeux de 1962 ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Notre défi chez SEMAE est le défi d'aujourd'hui, de manière à s'inscrire dans l'avenir. Enjeu écologique, enjeu climatique, assurer la diversité des acteurs de la filière et conserver la qualité de nos semences. Depuis 60 ans, nous accompagnons les acteurs de la filière semencière et toutes les évolutions qui en découlent. Je suis convaincu que nous sommes les plus compétents pour relever les enjeux qui nous attendent.